un avion en bas. On n'a jusqu'ici jamais pensé à scanner des avions, hein. On scannait plutôt les gens, on scannait les bagages. Une nouveauté qui est révolutionnaire dans le monde de l'aviation, c'est un complément pour la sécurité et ça apporte effectivement un nouvel outil en matière de sécurité, tant pour les aéroports, pour les compagnies aériennes et d'une manière générale pour le personnel qui travaille dans l'aviation. C'est difficile de faire confiance au jour d'aujourd'hui à 150 personnes qui gravitent autour d'un avion. Ces 150 personnes qui gravitent là autour, c'est potentiellement dangereux. Et puis le C4 avec le téléphone, on voyait, il est là. Ces petits avions qui sont en général pas énormément contrôlés. Et on y trouve des armes que le scanner a aussi décelées très facilement. Monsieur Mirchatina. Nous avons une technologie assez stratégique, assez sensible, qui pour se développer à grande échelle, à échelle globale, a besoin d'un emplacement totalement stable. Avec ses avantages Swiss-made, fabriqués en Suisse, et la neutralité politique et militaire de la Suisse.